Salut les Valjans, ici Valmar le renard pour vous servir. Nous sommes sur Dust and Elysian Tales, un jeu fait par un seul gars apparemment, et qui est super beau, super joli, donc il fallait absolument que je le fasse. Et en plus, il est super mignon, donc mesdemoiselles, je compte sur vous pour venir sur cette vidéo. Non, ne quittez pas la vidéo, mesdemoiselles, attendez, non mais c'était une blague, vous savez, le coup du « Oh c'est mignon, alors toutes les filles vont venir ». Non, c'est super beau, ça il faut l'avouer, voilà quoi, l'histoire est très belle, elle est magnifique. Elle est génialissime. Le système de gameplay, je l'ai pas encore joué. Hein. Enfin, j'ai pas essayé. Donc voilà, donc c'est pour moi le moment d'essayer ce jeu qui apparemment n'arrête pas d'être conseillé par tous mes amis. Et donc j'ai décidé de l'essayer. Donc voilà, je sais qu'il est très beau. J'ai vu le trailer et j'étais sur le cul. Voilà, donc il fallait absolument que je le fasse. Je me suis dit, ok, si je dois le faire, ce sera en vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, bah, commencer une partie. Bah oui, évidemment. Mais je vais commencer la partie. Alors, est compatible avec l'option sauvegarde auto. En plus des emplacements de sauvegarde, on va comme une nouvelle partie ou charger une partie existentielle. Oui, bon, d'accord. Bon, ben, je sélectionne ceci. En facile, idéal pour les joueurs jeunes ou occasionnels, ou encore pour ceux qui souhaitent simplement profiter de l'histoire. Je veux simplement profiter de l'histoire. Simplifiés sont activés sans pénalité mortelle. Ok. Je préfère faire en facile parce que... Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust. Oui, allô? Dust. Oui, c'est... Arise. D'accord. C'est l'épée magique! What? A talking sword? What are you? Oh mais regardez-moi ça, le personnage est hyper classe. D'abord cette tenue est trop cool, on voit jamais ses yeux, il a un côté dark, j'adore. Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? Puis écoutez-moi cette voix, si elle est pas charismatique. That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Tu m'as pas l'air d'être une gardienne. Eh ouais, elle est plutôt petite, hein. Je vois pas comment elle peut garder une épée, mais bon. No offense, but aren't you a bit, well, ah, on est d'accord. For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. Yeah, that happens sometimes. T'es toute mignonne. Tu t'appelles Fidget? I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this
me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? I'm... Calm yourself, Fidget. His name is Dust, and he is the one who woke me from my slumber. So, Fidget, then? That's me, and you're Dust? It would seem that way, though I can't recall that name. Ok, super l'équipe. Un renard, une espèce de petite créature toute mignonne qui vole et une épée qui parle. C'est la meilleure équipe qui soit. So, what is this sword? I am the blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword! Oula, attends un peu. Well, I... All right, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. But, I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. What exactly am I doing, Ara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That is your first step. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's gone. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. Bah déjà, on peut le dire, le personnage il est super génial. La petite là, elle est toute mignonne, toute gentille. Et l'épée qui parle, ça... ouais, j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux, alors... ça m'étonne même plus. Donc je dois aller par là? La clairière. Faut le dire, ce jeu est méga beau. Fait par un seul gars, là je dis le mec c'est un putain de génie. Puis sur Space. Regardez vers le haut ou vers le bas. Ok. Sur J pour utiliser un combo avec J et K. Ok, J et K. Comment je fais K? D'accord, bon, pour le moment je peux faire que J. Hein. Ça sent bien la branche qui va se casser la figure. What is it, Fidget? Well... My kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Appuyez sur... Hein? Attendez, et des options. Commande. Ah ouais, ok. Alors, terre, tout ça, tout ça. Ah, personnaliser la souris et le clavier. Ça y est, je t'ai trouvé. Alors, bon, pour ça, j'ai rien à dire. Page down et page up, ça je connais. Enter catégorie. Un home. Vers la carte. Alors tu m'excuses, mais on va changer un peu tout ça. Vers la carte, tu vas me mettre ça en... Ah, d'accord, ok. Alors,
dans cet écran, vous pouvez voir les zones explorées dans les régions en cours. Vous pouvez aussi sentir... Ok. Dans votre journal de quête... Ok. Et dans l'écran de matériaux... Matériaux, je suppose que c'est pour construire des trucs. Les stats sur cette page, les différents... Bon, alors, achèvement total de pourcent, monde exploré 1%. Il y a vraiment... vous pouvez assigner des pierres de compétences en passant au niveau supérieur pour améliorer vos attributs. Ok. De toute façon, on expliquera ça la prochaine fois. Alors, dans cet inventaire, vous pouvez gérer si votre santé est faible, comme l'indique la barre verte dans votre ATH. Vous pouvez assigner un objet de guérison à l'emplacement d'objets rapides pour l'utiliser rapidement dans le jeu à l'aide de H. D'accord. Ok. Compris. Elle a dit qu'elle voyait quelque chose. De vers en bas. Moi aussi je vois quelque chose en bas, mais on peut pas y accéder pour le moment. Nouvelle compétence acquise. Mouvement vif, effectue-le avec A. Ah. S plus space. Ah. Bah merci beaucoup ma grande. Pour une fois que quelqu'un crée un personnage qui sert vraiment, et pas uniquement à... Donc, je vois quelque chose. Tab. Trésor. Dans les anciens temps, nos biens les plus précieux et nos plus fidèles alliés étaient enfermés par une puissance magique qui nous échappait. La seule manière de récupérer ces trésors perdus... consiste à utiliser les clés magiques disséminées à travers notre monde. J'espère simplement qu'il en reste assez de temps pour les libérer tous. Ok. Alors, sachez que ce jeu va remplacer temporairement Final Fantasy parce que j'ai des problèmes avec. Je sais pas pourquoi, ça marche extrêmement mal en fait. Petit bug, hein, je suppose. Mais attendez. Ah, par là, il y a quelque chose. Ça ? Où il y a un trésor dans cette direction. C'est... D'accord, alors ça doit être en fait par là que se trouve... Bien joué ! All right, we found a chest. Correction, we found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era, and are well beyond my capabilities. I suppose... We'll need a key then. Je suppose que c'est par là en fait que je vais trouver la clé. Pas peut-être que. Yeah. Bon, pour le moment, je peux rien faire. Le lapin qui a fait un saut de je ne sais pas combien de... Tas de Bambi, ça c'est gratos. Bah, où tu vas? Ah! Calm yourself, Fidget. Dust, focus. Remember what you've learned thus far. Écrase les touches. Nobody said anything about monsters. Strange. Where did I learn these skills? You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. And to think,
this morning started off so well. At least take these feeble fruits. Something tells me you're going to need them. Bon, je comprends tout de suite que ça me servira de nourriture. Quoi que ça me servira à ramener ma vie. Table. J'ai perdu aucun point de vie. Alors, équipé, j'en ai plus de ça. Donc je pourrais les utiliser avec H d'après ce que j'ai compris. Alors tu peux sauvegarder automatiquement, passer un monument de... Ok, puis sur Z pour sauvegarder manuellement. Ok, Z. Sauvegarder votre progression. Ok, je peux pas. Je vais copier à cet endroit là. Z pour sauvegarder téléporter. Je n'ai pas encore accès à la carte. Ok. Pour le moment, je ne peux qu'aller que 3. Attendez! J'ai pas récupéré toutes les pièces! Oula! Ouais, pas très malin. Gigi caca, ok. Wow. C'est vraiment pas facile. Promotion spéciaux. Hop en l'air vers le bas, ok. S plus K quand je les ai envoyés en l'air. Ok, ok. Au prochain, j'essaye. Ah, il y a un trésor dans le coin. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the dust storm. I like it. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware, skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. Okay, Sam. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Please contain yourselves as I demonstrate. Okay. On va voir ça. Ah oui. That was very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. Genre? The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Wow! Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. D'accord, alors à chaque fois, il va falloir que j'arrive à mélanger mes attaques avec la magie de Fidget pour réussir à avoir beaucoup d'expérience. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken and you will lose your bonus experience. OK. All right. I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Oh.
C'est vraiment, mais alors, vraiment pas facile. Les touches sont assez éloignées. Bon, ça c'est parce que mon clavier n'est peut-être pas configuré comme celui du créateur de ce jeu. Alors attends. Pour le moment, je me débrouille. Je sauvegarde quand même. C'était Z. Merci beaucoup. Creuser le fichier, évidemment. Ok, on y est presque. Yaha. J'adore ce jeu. Je remercie Lucas de m'avoir dit prends-le, sinon tu vas rater quelque chose. Ah oui. Merci du rappel. La puissance se dégage. Niveau augmenté. Alors. J'avais oublié d'esquiver. Nouvelle page du secret. Alors, un saut vers l'inconnu. Ils me chassaient et j'ai couru. Ils étaient 5, peut-être 6, tous armés jusqu'aux dents. J'étais arrivé au col des archers, mais à cause de cette flèche plantée dans ma jambe, ils m'ont rattrapé près de cette statue sans tête. Cerné, désespéré, sans nulle part où aller, j'ai grimpé jusqu'à la main et j'ai sauté. Je suis sûr qu'en fait ces messages, c'est les messages de nous du passé. Je l'ai. J'ai la clé du coffre. Je vais aller la chercher. Pas du tout comment j'ai fait ça. Quelqu'un le sait, merci de me le dire. Spinesse. J'ai l'impression qu'en fait plus je fais des attaques, plus je peux fort en fait. Chaîne brisée. T'as osé briser ma chaîne. Bon, ça veut dire ça que les ennemis réapparaissent. Mais il y avait un coffre. Et j'irai le chercher. Thank you.
laissez-moi aller chercher mon coffre, bon sang. Oups, pardon, Bambi. Excuse-moi, j'étais pris pour un ennemi. Heureusement, notre ami, le renard, ne s'attaque pas à nos compagnons. Donc, maintenant que j'ai la clé, je vais ouvrir donc le coffre. Et bien évidemment, les ennemis en ont profité pour venir. Hein. Bon, maintenant j'ai la clé. Z. Ah, ok. Ah oui, quand même. 40 plus 60 plus... Mieux vaut garder pour le moment les trucs qui sont... J'en ai très peu. Allez, on va accélérer le rythme. Pierre de renaissance, intéressant. Ça doit permettre de revenir à la vie si jamais on se fait tuer. Wow. Et j'ai un plan pour me construire un anneau. Alors, y'en a d'autres qui veulent essayer? Donc si j'ai bien compris, certains ennemis peuvent être sur un autre plan, donc je ne pourrais pas les toucher. Ok. Ya 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 ya! Quoi, t'es toujours en vie? Ya ya ya! Je crois que je t'ai pas vu. J'ai l'impression que j'ai récupéré ma vie, mais comme pour cette voiture. Ne vous attaquez pas au lapin et au bambillé. Oh, vous mourrez de ma lame. Aïe! J'ai osé frapper le renard. Alors oui, je sais, j'ai pour le moment que des attaques très... très répété, mais en même temps, vous avez vu, j'ai encore un peu de mal avec le gameplay, et puis, de toute façon, on va m'apprendre ensuite d'autres techniques. Ne pas trop s'éloigner, sinon on court pas, et ce serait pas amusant. Mort. Ok. Allez, vas-y, ma grande. Coup critique. Donc, alors là, les 30 minutes sont passées. Wow, it's really beautiful up here. Yeah. So, any idea where we are? I was maybe hoping you could tell me. Oh, silly me! I seem to have dropped all my detailed maps and navigational equipment, chasing after a crazy flying sword. Elle est toute mignonne. I'm sorry I got you mixed up in this fidget. Well, you should be. Taking my sword, getting me in trouble.
You know, now that I think about it, this isn't the first time I've seen this view. I've stood here before, in this very spot. Then perhaps you recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. We'll need to drop down to the valley floor if we want to get any closer. Very well. Proceed as you wish, Dust. Ouais. Quête mise à jour pour plus de détails. Ok. Il y a peut-être un village. Il y a un petit village où on va peut-être se situer. Moi, je suis sûr que les messages qu'on a trouvés là sont sans doute les messages pour. Ce sont en fait des messages que Dust a écrit et il ne s'en souvient pas. Toi, je t'ai vu. Quoi? Viens ici. Non mais... Un lieu où sauvegarder. Est-ce que ça marche? Voilà. Oui. Je sauvegarde. Et sur ce, les Valjeans, je vous dis à plus, portez-vous bien, mangez les cookies, vous connaissez la suite, et tiens, tiens. Espérons que je puisse quand même reprendre Final Fantasy XIV parce que c'était vraiment génial. Ah oui, sortir quand même. Bon, sur ce, les Valjeans, à plus.